attendez, avant d'applaudir, on va voir s'il le mérite, mais il devrait le mériter normalement. Bonsoir à tous. Juste vous présenter ce soir un programme non pas double mais triple. Vous allez avoir la possibilité d'assister à trois choses différentes. La première, c'est une pièce qui s'intitule « Dans une chasse-galerie près de chez vous ». Donc inspirée du mythe de la chasse-galerie, c'est la pièce des élèves de secondaire 5 art dramatique, trois périodes. On a eu assez peu de temps pour pratiquer le spectacle. Je les vois trois fois sur 12 jours, donc c'est assez limité. Mais ils ont fait un travail au cours des cinq dernières années assez extraordinaire et c'est le fruit de ce travail que vous allez pouvoir voir. Juste prévenir les âmes les plus sensibles d'entre vous, vous connaissez la chasse-galerie, enfin j'espère, et vous savez qu'à la fin, le langage n'est pas forcément correct, donc bouchez-vous les oreilles, bouchez les oreilles de vos enfants, ce sera plus simple. Ensuite de ça, vous allez avoir le programme de danse des élèves de secondaire 5 qui a été mis en place par Madame Grenier, qui doit être quelque part par là, je ne sais pas où, elle se cache dans l'obscurité, mais elle est ici. Donc c'est un numéro de danse, c'est... Si je peux me permettre un anglicisme, c'est un teaser de son show de fin d'année. Une espèce de petite bande-annonce, un petit extrait, ça va durer 2-3 minutes à peu près, peut-être une minute, je ne sais plus. Une minute, c'est ça. Donc c'est court, mais plus c'est court, plus c'est intense, profitez-en. Et on va finir avec la pièce de secondaire 5 qui s'intitule Speakeasy ou Le Chapeau Vert, qui est la pièce qui a été créée par la troupe du Collège Héritage. Et puisque je parle du Collège Héritage, je voudrais avant toute chose remercier la direction puis toute l'équipe du Collège qui apporte une importance capitale au théâtre, qui c'est une des rares écoles à faire autant pour cet art-là. Or, c'est un art qui rend vos jeunes meilleurs, qui nous rend de meilleures personnes, puis je trouve ça très important. Donc je voudrais remercier Monsieur Lemieux qui est ici ce soir, je voudrais remercier toute l'équipe de direction. Je voudrais remercier M. Eric Lemieux aussi, qui a conçu la plupart, une grande partie des décors. M. Guy Laliberté, qui a aidé pour le reste. Je voudrais également remercier Mme Guylaine Laliberté, qui est la professeure d'art dramatique que j'ai le privilège de remplacer, qui, malgré son congé maternité, a pris la peine d'écrire les deux pièces qui vont être jouées ce soir, qui est ici aussi, qui s'est occupée de la caisse, qui a aidé tout au long de l'année, même si elle est en congé. C'est assez rare de voir un dévouement en pareil. Donc merci Madame Laliberté. Et puis je voudrais remercier également mon coiffeur qui me dit que je m'arrache trop de cheveux et qu'il faut que j'arrête quand je m'occupe de vos jeunes. Sur ce, place au spectacle. Dans une galaxie, non, dans une chasse-galerie près de chez vous. Bon spectacle à tous. C'était quelque part en Abitibos, loin, loin dans les terres, en bois de bout. Là, on venait de là, on n'avait jamais mis le coude.
Inconscient. Une poignée de tartares viennent chaque année pour du bois coupé. Ils sont partis à chasse à l'art. Mais pas grand mérite. Un arbre, c'est pas comme un orignal. Ben qu'il y ait du bois, ça court pas à même vitesse. Les gars, ils travaillent dur dans le bois. Ils en coupent plus pour en ramener plus. Mais ils se font couper plus. Mais c'est ça la vie. Hé, hey, l'arbre! T'as-tu joué un jeu? Ah, vas-y donc. On le sait, on n'en a rien de la regarder. On sait que c'est moi qui vais gagner. Pas tant. Je disais donc, avant de me faire couper, une poignée de tartares venue partir, venue chasser l'arbre. Ils viennent couper du bois. Du bois de plancher, du bois de chauffage. Mais dans le bois, il fait frais. Et avec la neige qui monte, là, parce que dans mon temps, de la neige, il y en avait. Les gars sont capables. Ils sont pognés ici, pendant qu'au village, leur parenté se prépare à fêter. Pendant que les filles, ils se font belles pour leurs hommes, qui sont ici, dans le bois. Quelle solitude. Mais, pour faire bref, les gars sont capables. La bouffe est mauvaise, il fait frais, pis ça pue. Ils donneraient tout pour embrasser leur femme. Pis là, je vais vous dire quelque chose, là. On sait jamais ce qui peut se passer par la tête des hommes à bout de bois. Il reste combien de jours de neige? Jeune homme, je vous en prie, changez de vocabulaire. Vous savez, les mots sont des perles que l'on peut utiliser. Monsieur le curé, je m'efforce de ne pas les dire, mais pas les penser. Ça serait du travail à long terme. N'empêche que... utiliser un maximum de vocabulaire permet à... Lâchez-moi, monsieur le curé, sinon je vous cite l'Évangile! Ah! Rien à faire, rien à faire! Que laisserons-nous de cet héritage canadien-français? Les mots contre l'assimilation. Comme la neige à neige. Arrête de crier son menu! Oh! Mais non, on parle de testament. Là, on parle de cochon, c'est la couenne de l'or. Quelqu'un est quoi contre le cochon? C'est quoi un groin? Comment on va passer toute ta vie avec les arbres? Hey, qu'est-ce que c'est pour toi contre les arbres? C'est à cause d'eux qu'on a de l'oxygène, hein? Bravo! Dansez les choses? Ben, je sais pas c'est quoi d'oxygène, je sais que... Oh! Attends, tout ça! Tout ça, tu sais? Pourquoi je suis ici, moi? Hey, le grand, mais ça. J'ai un truc pour pas te saler, là. Le truc, là, ben, c'est l'attitude. Tu fais en sorte que... ben, ta salature, là, ben c'est voulu, tu sais. Donc là, ben, t'as l'air cool. Ah ouais? Ouais. Hey, regarde-moi pas de même. Comment tu penses que je vais charmer ma Marion? Mais, moi, je veux pas charmer de Marion. Moi, ce que je veux, c'est pas être ici. Moi, je veux giguer. Giguer pas pour faire quoi, mon femme. La gigue. C'est quoi? Comment dire, votre danse tribale ou plutôt une manière de mimer l'arrêt cardiaque? Hey, ben, je t'en passe une arrêt cardiaque, espèce de ça, là. Quel vocabulaire! Parce que j'ai besoin de m'expliquer que je suis pas intelligent. Ah, j'ai jamais dit ça. Quand tu seras capable de bouger autre chose que la grande bouche, tu viendras m'en reparler. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce qui ferait pas pour se rendre intéressant? C'est pas comme moi. Moi, ici, c'est un peu faire honte à moi, à mon moi, à mon intelligence, à ma finesse. Ah, puis pourquoi j'ai dit oui? J'étais pas supposé me salir les mains avec d'autres choses que de l'encre, mais l'autre, l'anglais, il comprend rien. Puis avec toute la neige qui est tombée, c'est pas le temps de partir. Je suis ici avec toutes ces... Toi, avoir mauvaise langue, toi, ne pas tout savoir tout le temps. Toi, regarder l'autre pour comprendre. Toi, ouvrir ton toit aux autres pour être meilleur coupeur de bois. Mais je veux pas couper du bois! Hé! Hey, toi, avoir besoin! Fermez ta gueule! Vous rire, moi pleurer pour ouais, vous! Ouais, c'est ça! C'est comédie! Bon, c'est pas tout! Mais si on veut finir par finir? Il faudrait commencer! Reste encore un coup de... bûche à donner! Si on veut manger! Au soir! À soir, au chaud! C'est pas ce que tu... M'enlève les mots! De la bouche! Bien dit! Ah ouais, les demarets, ça presse! Pressé, pressé, même fort! T'as personne à sauver! Quoi? Manger plus tard? Hey, non, moi j'aime ça manger à des heures régulières. Ça me régule de l'intérieur. Non, je parle pas à toi, là. Là, t'es impoli. Je parle avec mes collègues. Ouais, ils vont finir par te couper un jour. Je suis désolé.
Bon, ben, si ça te dérange pas, je vais retourner à mes occupations. Bon, bonne chance. Qu'est-ce qu'on disait déjà, les boys? Il est sympathique, ton nouvel ami? Manger? Boire. Ah, ouais, je comprends. Ouais, je comprends, PM, donne-moi ta bouteille. Hey, les gars, arrêtez, là, arrêtez. Jamais, pas tout me battre pour ce qui est à moi. Pas un loge. PM, c'est une bouteille. Alain, Michel, c'est la mienne. N'arrêtez pas pour moi. Je suis juste le boss. C'est lui qui vous donne votre job. C'est lui qui vous offre la chance à dormir à 16 dans une petite cabane de bois. À partir de maintenant, j'exige que vous m'appelez monsieur. Monsieur. Ou tiens, Sir Harper. C'est bon, la journée est terminée. Bonsoir! Vous êtes qui? Je suis qui je suis. Bonsoir! Ici, c'est moi qui commande. Comme vous voulez. Alors vous êtes? Je suis le nouveau. Le nouveau? Oui, celui que vous attendiez depuis longtemps. Ben, si vous le dites, c'est par là. Merci de l'information, mais je m'oriente très bien. J'ai un GPS. OK, mais on dit merci, Sir Harper. Ouais, comme vous dites, là. Comme vous dites qui? Monsieur. Sir Harper! Sir Harper, si vous voulez. Comme je veux. On dirait des bûches. Un tas de bûches. J'essaierai d'être poétique, mais ça a l'air que je suis pas doux. Avec le volant qui se couche avec la pluie, aime bien l'odeur du bois sec. Ça lui rappelle sa maman. Ça, sa maman. Comme si les femmes pouvaient couper du bois. Aigle volant dit. Bon, n'importe quoi. Plus que je pourrais cuisiner une dinde. Et tu la goûtes pas. Dans ma cuisine canadienne-française. Tu la goûtes pas? Ça. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Je peux pas, je vais déguiser mes abdos. Contourne mes jambes, sinon je te demande. Pour faire ça, je vous trouve pas belle. Hey, les gars, arrêtez, là, c'est chill. Relaxez, là. Wow. Ça va, là? Regardez, là, tout le bois qu'on a à fond, là. Gardez vos forces pour plus tard. Ah, c'est la zinc. Moi, j'ai pas le choix d'aller vite. Pourquoi? Attends, ça sent bon. Non, mais cette gang de morons-là, là, les autres, ils vont crier. Ah, gars. Écoute la musique dans ta tête, là, puis laisse-les crier. Ouais, c'est ça, me semble. Allez, au chaudron. Respire. Ben oui. Oh! Cinq couplages, ça fait le jour de l'an. Nous autres, on est ici, dans le bois. Soit que tu la maries, soit que tu pars dans le bois. Je savais pas, moi, que le bois c'était aussi loin. Moi aussi, j'aurais peut-être dû la marier. Ouais, c'est ça que je fais. Je retourne au village, puis j'organise un gros mariage. Attention, jeune homme. Le mariage est un sacrement sacré, comme dans la chanson. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci te. Io sono te. In fondo un uomo che non ha freddo e il cuore nel letto comando io. Pierre-Carl, mais revenons à nos moutons, c'est quand même pas nous qui choisissons notre épouse. Je pense que vous avez bu trop de café. Méfiez-vous de Joe Beef, on sait pas ce qu'il y a dedans. Yeah. T'en fais pas pour moi, jeune homme. Ce qui est important, c'est la procréation. À quoi c'est tout? L'amour vient après. Ouais, mais au village, c'est pas moi qui traîne les enfants. Ici, c'est moi qui coupe le bois. Attention, plus d'enfants. Plus de travail! Oh, je m'en sortirai jamais. Ainsi va la vie.
S'il vous plaît, Seigneur, faites quelque chose. Mais c'est moi pas ici. Je vais être fin. T'es drôle. Je vais retourner au village. Tu vas aller où? Au village, je viens de le dire. Arrête de parler du village. La moitié des hommes vont virer fou. Quoi? Penses-tu vraiment que t'es seul qui a envie d'y aller? Ben, ouais. Ben, t'es plus casse que je pensais. Arrête de parler du village! Ça va mal finir! Le village, du rhum, un peu de rhum. Faut absolument aller au village. Hey, moi aussi, je peux me promener sa bouteille. Au village! Au village! Hé, hey, avec les pieds comme ça. En mai, on est au village. Moi, donc, tout une question qu'on coupe toute la journée. Au village! Au village, je veux voir Malisa. Pis moi, Malise. Au village! Non, non! Au village, je vois ma mère pis donner un gros câlin. Au village! Au village! Vous, les gars, vous y allez pas? Si moi, un petit gay, pas vite, vite, là, au village, comment vous voulez y aller? En canot volant? Exactement! Ok, en canot volant, mais c'est qui va le tienne, le canot? Les oiseaux? Canot volant autonome. Il se nourrit de l'énergie lumineuse, rien de moins. Pas cher à part de ça. T'es qui, toi? Je suis peut-être fou, mais pas aveugle. T'étais pas là hier. Je suis ce dont vous avez besoin. Quoi? T'es une femme? Allez, messieurs, c'est une femme, les messieurs, Tigui, c'est une Tigui, femme. Tigui. Va jouer avec tes doigts dans le coin, là. Oh. Un canot volant. Mais pourquoi pas un Boeing 747 en caillette? Ou pourquoi pas Apollo 13? Mais pour qui tu nous prends, mec? C'est parce qu'on est venu s'installer dans un pays où on se gèle les glaouis en hiver, où on mange la graisse de l'or à l'année longue, et où curer nous lave le cerveau. Ça me prendra à parier. Déjà à la traversée, puis il a fallu que j'ouvre ma grande gueule. Et blanc dans le bois. Mais merde! Dieu! Restez poli, jeune homme! Vous êtes inconséquent. Vos péchés vous perdront. Ouais, j'aurais qu'à piquer le GPS de l'autre. Je finirais bien par me retrouver. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez nous prendre pour des idiots puis nous faire croire n'importe quoi. Je ne commenterai pas votre allocution. Vous avez la bouche en bouchon de trompette. On dirait que... De toute façon, quand c'est les autres qui parlent, moi ça m'intéresse toujours de moins en moins. J'ai juste une chose à dire. Et la voici. Ceux qui veulent aller au village, ils seront! Ouais! Impossible! L'homme n'a pas les ailes de l'oiseau. L'homme n'est pas aigle volant qui se couche avec la pluie. Et aigle volant qui se couche avec la pluie n'a pas les ailes de l'oiseau. Hein? Mais voyons donc, espèce de fou furieux, tu me pourrais promettre une dinde entière. Je courrais pas plus. Tu peux courir de nous autres? Incroyable! Coucou, man! Coucou! C'est le village qui vous fait dire ces choses-là. Un canot volant, c'est un peu comme de la poésie. Mais c'est une métaphore, une image. Et on ne voyage pas sur une image. J'ai-tu rêvé? J'ai rêvé. Dans mon rêve, il y a un gars qui avait venu le pauvre qui nous offrait de... Partir en canot volant. Ridicule. Impossible. Incongru. Wow! Toi, t'en connais des bons mots! Rien n'est impossible pour voir Malisa en vrai! Pis moi, Malise en lise! Si c'est vrai, là, ben je vais vous laisser toucher à mes abominables abdominaux! Oh! Ouais. J'espère que c'est de la foutaise, parce que ce spectacle de ton ventre poilu va complètement m'achever! T'as entendu ça, là? Wow! Voilà, j'ai glissé des églises! Alphonse! Moi, les oiseaux, ils font juste cuit-cuit quand j'ai cuit-cuit dans ma casserole. Hey, bande de chars! Vous voyez pas, il essaie de rire de nous autres? J'ai vraiment ça faire rire de moi? Vous êtes pas d'accord? Il ne faut pas chasser l'ours avec un ukulélé. Attendez, les gars, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec l'anglais. C'est qu'on est jusqu'à 16? Chut, chut, chut. 16. 16 tatates pognées dans le bois. Moi, je vous le dis, il y a de la place pour tout le monde. Ah ouais. Puis moi? Toi? Pas encore toi, mais ça avait été clair l'année passée.
T'es juste un mauvais perdant. J'suis pas mauvais perdant, ok? C'est chacun son tour. Ouais. Hey, touche-moi pas! Hey, arrête là! Ok là? Moi là? J'ai des émotions! J'suis pas fait en bois! Tu veux là des émotions? Arrête! Ok? Arrête! T'es pas mon père! Te feu! Hey, dis-moi! Regarde-les toutes, un après l'autre! Laisse-toi faire leur choix! Mais oui, la moitié de la forêt est arrachée à cause de tes canons qui perdent le contrôle. Je t'ai cœuré! Non! La forêt là est arrachée à cause des gars qui sont ici pour la bûcher! Bon, là, va vous dire quelque chose. Ça reste entre vous et moi. Ça a pas l'air de même, là. Mais lui pis moi, on se connaît bien. Lui, c'est Liob. C'est Liob en personne. Là, je vais vous raconter une petite histoire. Lui, il va faire une promesse aux gars. Pis les gars, ils vont accepter la promesse. Ils se pensent bien bons, mais ils sont cons. Depuis quand un homme, ça tient ses promesses? Fait que là, les gars, ils vont se faire croire qu'ils vont voler. Je veux bien croire que l'alcool est fort, mais il y a toujours bien des limites. Fait que là, ils vont embarquer dans le canot va voler, le diable va se vanter, pis moi, je vais perdre. Je t'ai écœuré de perdre. J'essaie juste de sauver l'image de l'homme. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hey, ferme ta gueule! Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais un aparté. Hey, tu finis de faire la vedette? C'est pas rien qu'à toi. Va-t'en dans ton coin, là. T'avais le choix de le pogner, le rôle, pis tu l'as pas pris. Fait que moi, je l'ai pris, OK? Hey, c'est un show de gang, mon astuce. C'est pas rien qu'à toi! Va-t'en dans ton coin. Là, je disais donc, là, avant qu'il m'interrompe, là, c'est que un canot, ça... Je leur fais, OK? Un homme, ça tient pas ses promesses. Tu triches! Ouais. Alors voilà. Qui me suit? Moi! Attendez! Je lui ai dit que c'était pas cher. C'est pas gratis. Si on dit plus moins, plus rien de gratis. Juste trois règles à respecter. Pas d'alcool, pas de filles, pas de blasphème. Ah oui, puis faut revenir avant le lever du soleil. Ah, puis j'oublie, avant que j'oublie, une chose. Votre homme! Ouais! Au village! Un instant, là, wow! Là, on est tous d'accord, là. On retourne au village en canot, là, mais on part quand? Puis il est où le canot? Wow! C'est un peu de penser. Hey, tout le monde, on a trouvé un canot! Chez Ikeo! Wow. Hey, les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Les gars, c'est important, écoutez-moi. Personne m'écoute. Mais tu sais, en même temps, si les hommes ou les femmes ne faisaient jamais de conneries, la presse à scandale ferait faillite. La presse, le papier. C'est pour ça qu'ils sont titres, les gars. Mais, on va vous souhaiter bonne chance au moins. Puis, soyez pas pressés d'avoir mauvaise presse. Surtout les démarrais. Hey, trop d'or déjà que tu fais, tu vas pas me dire quoi faire. C'est de la folie. Hey, pour être titre, là, on est déjà fous. Quand je parle à l'arbre, là, il me dit, là, on a là une maudite gang de tatas. Des titres, là, à couper à la forêt, là, à place d'être chez nous pis d'être avec notre famille, là. Pis, c'est une maudite bonne question, hein? Ouais. Si seulement vous écouteriez. La journée où je me mettrais à écouter un arbre, les Anglais se mettront à bien manger. Ouais, c'est ça. Hey, les gars, si vous manque du bois, là, y a une grande affaire, là, à couper. Hey, quand même un peu de respect. Pris au milieu des épinettes, un grand chêne, ça nous rappelle que... Ouais, ça te rappelle quoi? Fais-moi vrai. Ben, le clavier est encore possible, même bien loin dans le bois. Ouais, en soi, on va être sorti du bois, c'est tout ce que je demande. Vous quoi faire là? Wow, va ton français toujours aussi bon? Toi encore, tu veux pas aller chasser l'idiot sur un autre terre? Si tu veux, c'est toi qui trouves les plus mieux. Les plus mieux? Rien ne sert de courir, vaut mieux partir à point. En français, s'il vous plaît. Merci, Père Carl. Déjà qu'on est loin, pourrons-moi s'exprimer en français. C'est chez moi, here. Je parle comme I want. Hey, c'est pas chez vous ici pour deux scènes. D'ailleurs, les Français, ils nous ont jamais abandonnés. De toute manière, il y a une barrière, une manche, un océan, des grands lacs qui nous séparent. On pourra jamais se comprendre. Hey, oh, JB, calme-toi. Pense à ce soir. Ah! Oh. Arrête. Bon, si
c'est terminé. Tout le monde dans le camp est sur la sauce. Il est hors de question que je vous laisse quitter le chantier. Le contrat n'est pas terminé. Look, la neige est encore là. La neige. On dit là parce que c'est féminin. Ici, il n'y a pas de féminin. C'est bien aussi. Féminin? C'est pour ça qu'on veut s'en aller. Que des épinettes! More! More! Regarde là! Ça, c'est la lune! Ça, ça veut dire c'est la nuit! La nuit, on fait tout ce qu'on veut! C'est en plein ça! La nuit, là, on fait ce qu'on veut! Attention, viens là! Idiot! Vous êtes des idiots! Peut-être des idiots, là? Mais moi, au moins, je suis un bel idiot! Oh! On fait quoi avec lui? Mais lâchez-le! Mais laisse-le! Pauvre homme! Un peu de respect pour votre maître! Stop, man! Soyez raisonnable! C'est ça! Raisonnable! C'est rare! C'est rare que je dise ça! Mais je pense que... Je pense qu'on a le droit de faire ce qui nous tente. Quand il soir est tombé. Et là, ben, c'est la nuit. Désolé, Mr. Harper. Mais la loi? C'est la loi. De toute manière, je sais pas ce qui nous prend à soir. Mais j'en profite pour vous dire. Je vous... Non, on vous aime pas. Jeune homme, un peu de respect. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est sûr, on va voler. Un instant. Et si c'était vrai que nous être idiots? Non. J'aurais pas dit ça comme ça. Ben, y'a pas un anglais qui va me prêter 10 jets dans votre mort. Moi, j'aime ça croquer dans de la viande. Oui, c'est anglais. Je fais du tout avec. C'est vrai que c'est fait l'autre jour, c'était avec. Ouais, le truc, c'est de faire mariner ben, ben longtemps. C'était avec du mouton? C'était-tu bon? Ouais. Ben, pose plus de questions. Dis de même. Moi, je me dis qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis un anglais par jour, puis on va y arriver à notre souveraineté. De là. Du tout. Elle bonne. Mais. Qu'est-ce qui vous prend ce soir? On dirait que vous êtes hypnotisé par Mephistopheles! Wow, wow, wow! Là, monsieur, je vous demanderai de pas prononcer ce nom! Ah, bon, Yann, on va aller voir les autres. Ouais, c'est toute une idée, ça! N'empêche que... Hey, on fait quoi avec lui, là? Moi, je pense qu'on y enlève ses bras. C'est pas parce que t'es en que tu prends pour un autre. Je suis pas quand, hein? I'm your boss! Ouais, il y a un peu raison. De toute manière, on va aller libérons-le de toute façon. Montrons-lui que les Français sont moins sauvages que les Anglais. C'est pas parce que je n'ai pas tout à fait les facultés de parler le français qu'on peut me traiter ainsi. Moi qui avoir toujours été si bon avec vous, qui... fait tellement froid ici, quelle idée de m'avoir acheté une terre. Vous êtes mieux d'avoir bon mine demain. Lâchez-moi, les jeux sont terminés! Bonne soirée, monsieur! Ok, là, là, les gars, là, c'est du vrai niaisage. Plus vite que ça, moi, j'ai d'autres choses à faire. Oubliez pas, quand le canot va lever, trois règles. Pas d'alcool, pas de figue, pas de blasphème. Ah, pis faut partir avant le lever du soleil. Pis oui, avant que j'oublie. Pour faire lever le canot, va falloir dire une formule magique. Pis vous en rappelez pour revenir. Y'en a-tu encore 20, les enjeux de règlement comme ça? Aigle volant aime pas ça.